Alors, l'Infinie Comédie, c'est une histoire qui, d'après son auteur, se passe dans un avenir proche. Comme ce livre a été écrit il y a 19 ans, on pourrait considérer que ça se passe maintenant. Et ça se passe dans un pays qui est la nouvelle fédération nord-américaine, qui comprend le Canada, avec le Québec, les États-Unis et le Mexique. Donc c'est une grande société qui est très très américanisée, effectivement, qui est dominée par le divertissement, ce que les Américains appellent l'entertainment, la télévision, les jeux vidéo, et puis aussi par l'esprit de compétition qui est poussé à son extrême. Donc une société assez proche de la nôtre, finalement, dont les traits sont simplement un peu exagérés. Ça correspond en gros à ce que Guy Debord appelait la société du spectacle, si vous voulez, et avec une aliénation, comme on disait à l'époque, maximale. Les citoyens sont complètement endormis, hébétés, il n'y a plus vraiment de politique, ça n'existe plus. Et bien sûr, dans toute société de ce type, il y a toujours des déviants, des gens différents. Donc l'Infinie Comédie, c'est l'histoire d'un petit groupe de personnes qui sont déviants par rapport à cette société pour des raisons variées, soit parce qu'ils ne pensent pas comme les autres, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils appartiennent à une famille qui, dès le départ, un clan, si vous voulez, qui n'accepte pas les règles de cette société-là, soit pour certains parce qu'ils appartiennent à une organisation politique de résistance au modèle sociétal de l'époque. La vraie intrigue, c'est l'histoire de quelques-uns de ces personnages et leur vie, leur manière d'être, leur vie intérieure, leurs inquiétudes, les questions qui se posent. Donc c'est à la fois, on peut dire, c'est un livre qui raconte plein d'histoires entremêlées, mais il n'y a pas une intrigue unique. Il y a un très gros livre qui est même plus gros que l'Infinie Comédie, qui s'appelle « Guerre et paix ». Et quand on avait demandé à Woody Allen de quoi ça parlait, il avait dit « ça parle de la guerre et de la paix ». Je pense qu'on peut dire aussi que l'Infinie Comédie, c'est une sorte de... pas d'autobiographie, parce que la vie de David Wallace ne ressemble pas à celle de ses personnages, mais plutôt à une sorte d'autoportrait. Parce qu'il y a plusieurs aspects dans ce livre qui sont très importants. Il y a par exemple la question de l'addiction, le fait d'être noué à des habitudes dont on ne peut pas se sortir et qui sont parfois liées à la consommation d'alcool ou de drogue ou de médicaments. Et c'est un des grands sujets de ce livre, au fond. David Foster Wallace, un jour, a dit... quelqu'un qui lui posait une question à ce sujet, est-ce que vous avez des addictions? Il a dit, ma principale addiction, c'est mon addiction à la solitude. Et donc il y a ça aussi, hein, le fait de se sentir seul, pas seul parce qu'on est parti très loin du monde, mais seul au milieu de la foule. Ça n'est pas un livre idéologique du tout. Il ne cherche pas à faire passer une espèce de message philosophique, je ne crois pas du tout. L'écrivain, à mon avis, dont voilà, c'est le plus proche, c'est Kafka. Et c'est-à-dire un écrivain dont l'œuvre est comme une espèce de refuge où l'auteur va s'installer parce que vivre dans le monde tel qu'il est, c'est trop douloureux, trop insupportable. Et peut-être que c'est plus possible dans un monde qu'on aurait soi-même inventé. La traduction de ce livre a demandé 3 ans à temps plein à son traducteur, à la fois parce que c'est un livre qui est très long et en même temps qui est assez complexe à traduire. Non pas qu'il soit écrit dans
une langue particulièrement abstraite ou incompréhensible. Il est écrit finalement dans un américain très très lisible par les Américains, même s'il y a parfois des tournures de phrases étranges, des dérapages. Finalement, c'est dans la construction des phrases que parfois on peut être dérouté par l'écriture de ce livre. Mais c'est surtout un univers extrêmement dense et complexe et qui a exigé ce travail de longue haleine. Puis ensuite, il y a eu une relecture minutieuse de la traduction avec le traducteur. Et alors, c'est un livre qui a une particularité, c'est qu'il se termine par 300 pages de notes, des notes de l'auteur. Ce livre a été traduit par Francis Kerlin, mais la partie qu'en prenant les notes a été traduite par Charles Recourcet, qui était le principal traducteur des livres précédemment publiés en France. Et donc, c'est un travail colossal. Alors, il y a un mot qu'on emploie beaucoup à notre époque, qui est assez laid. On dit c'est un livre culte, c'est un film culte. Je vois pas trop la différence finalement avec la notion de classique. Vous direz culte, c'est un mot branché pour parler des classiques, parce qu'on dit ah oui, les classiques, c'est ennuyeux, c'est ce qu'on apprend à l'école, comme si tout ce qu'on apprend à l'école était nécessairement ennuyeux. Alors je dirais plutôt que l'Infinie Comédie est un classique. Et ce qui donc pose une deuxième question, qu'est-ce qu'un classique ? Alors moi, je contournerais la question en disant pourquoi certains livres sont-ils lus encore 30, 50, 100 ans après leur publication ? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces livres, au fond ? Et pourquoi d'autres livres ont-ils une durée de vie moins longue et d'autres une durée de vie très, très, très courte ? Eh bien, je pense que ce qu'on appelle un classique, c'est un livre qui apporte un regard nouveau sur le monde, sur l'être humain, et qui le fait en inventant une forme adéquate. Parce que si vous avez quelque chose à dire de différent de ce que disent les autres sur la manière dont vous comprenez le monde qui vous entoure, et que si vous employez les mêmes mots, le même style, les mêmes tournures de phrases que celles que tout le monde utilise, ça ne marche pas. Il faut donc inventer votre propre forme. Et une fois que cette forme est inventée, eh bien, elle peut durer très très longtemps. Alors, encore une fois, l'Infinie Comédie n'est pas un livre qui aurait des particularités telles qu'il ne ressemblerait à aucun livre. En fait, il ressemble à beaucoup d'autres livres. Et en même temps, il y a là, quelque chose d'unique que David Foster Wallace a su saisir tout au long de ces 1600 pages et qui, 20 ans après, nous parle encore et peut-être même nous parle encore plus qu'au moment où il a été publié. Parce que ce que je disais sur l'entertainment, sur la société du spectacle, sur l'aliénation, sur la solitude, est-ce que ça n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Et il me semble que la grande force de David Wallace, c'est d'avoir trouvé les mots, les situations, les personnages, les atmosphères qui, aujourd'hui, nous sont familières.